branchez-vous sur Christiqualiri et vous attendra au rendez-vous. La révélation des mystères cachés de la Bible. Église en ligne, le culte, l'adoration et la prédication du jour en direct. De l'exhortation et du réconfort spirituel. Demandez une requête de prière. La Bible audio et musique en toutes les langues. La compréhension biblique de l'actualité, des prophéties et des signes de temps. Les démystifications des fausses églises et doctrines. Attachement à la saine doctrine. Et enfin, venez suivre les enseignements bibliques d'une profondeur et précision à vous couper le souffle. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Ça rappelle nation à Bistroy après-midi, parce que l'après-midi à partir. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur pour cette circonstance. Et aussi pour mon prédécesseur. Je vous appelle le pasteur Idriss. Obino, Fuzobinga pasteur Idriss. Moi, je l'appelle le docteur Idriss. Et quand je l'écoute comme ça, je suis très content. De la même manière que j'ai écouté mon pasteur Emmanuel hier, et c'était vraiment merveilleux. Et par la grâce de Dieu, nous allons aussi contribuer par rapport au thème qui vient de nous être donné. Sur le testament. Et sans plus tarder, nous allons prendre l'écriture. Nous sommes dans le livre des Hébreux, chapitre 9. Le verset, commençant par le 16e verset jusqu'au 17e. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit encore. Que le Seigneur bénisse la lecture et l'entendement de chacun. Je souhaiterais qu'on me donne un stylo parce que je dois écrire quelque chose là. Je vais écrire quelque chose là-bas. Qu'est-ce que le testament?
nous allons tout droit au bout. Je suis quelque part, je vais faire une comparaison. Juste pour prendre une pensée. Je suis dans le livre de Josué, chapitre 18, le verset 9 à 10. Ici, il s'agit de l'héritage. Il fallait Israël entre en possession de son héritage. C'est au temps de Josué. Mais lorsque les espions sont allés visiter le pays, ils vont prendre cet héritage-là, c'est-à-dire le pays. Ils vont le représenter dans un papier. C'est-à-dire, quand ils se sont présentés devant Josué, au lieu de présenter Canaan comme terre, physiquement comme ça, cet héritage Canaan était représenté sous forme d'un papier. Et je prends ce papier-là comme un testament. Et en ce temps-là, ils attendaient entrer dans l'héritage, mais ils avaient les papiers entre leurs mains. Mais ils n'étaient pas encore entrés en possession de cet héritage-là. Mais l'héritage était présenté sous forme d'un papier. Voilà pourquoi je prends ce papier-là comme un testament. Voilà pourquoi nous devons souhaiter que les promesses quittent le papier, mais prennent corps en nous. C'est ce que nous devons souhaiter. Mais selon l'écriture que nous venons de lire, cela n'est valable que par la mort du testateur. Voilà un peu. Là, juste une introduction pour donner une pensée. Pour dire tout simplement, le testament est lié à l'héritage. Mais pour que le peuple entre dans cet héritage-là, il faut que la mort du testateur soit constatée. Comme il y a un seul héritage, comprenez aussi qu'il y a un seul testament. Il n'y a pas de testament parce qu'il n'y a qu'un seul héritage. Mais je préfère d'abord commencer par Adam avant de faire aussi d'autres démarches. Vous voyez Adam, le Seigneur l'avait placé dans le jardin d'Éden. En d'autres termes, Dieu lui a donné l'héritage. Mais comment Adam est arrivé là sans que la mort du testateur soit constatée? Nous y reviendrons, parce que la création, quand Dieu parlait dans la création, il était comme un muet. Il parlait par des signes. Et par la grâce de Dieu, nous allons décortiquer dans la création comment la mort du testateur a été constatée, pour que le sixième jour, Adam possède le pays. Et on y reviendra. Mais avant, Yambo, nous sommes quelque part. Dieu l'avait placé dans les jardins. Et Dieu lui avait donné un ordre. Les jardins comme la maison de Dieu lui-même,
Dieu avait établi un ordre dans sa maison. Et Adam avait transgressé cet ordre-là à travers la femme. Adam était chassé. Adam a bengana maki. Hors de l'héritage. Libanda ya libula. Hors du jardin. Libanda elanga. Mais Adam n'était pas n'importe qui. Kasi Adam azala ki motonyo sote. Adam, fils de Dieu. Était Adam mwana ya mobali ya Nzambe. Étant fils de Dieu, na kozala ka mwana mobali ya Nzambe. Il était appelé à l'héritage. Abenga maki ya kozwa libula. En d'autres termes, il était un héritier. Na elobele mosusu azala ki mokitani na libula. Voilà pourquoi lorsque Adam était chassé, na ngona tina te tango Adam abenga maki. Il fallait que Dieu commence à écrire un testament. C'est là où il devait commencer. Écrire d'abord un testament qui devait être confirmé par la mort du testateur. Pour que Adam qui était chassé rentre dans son héritage. Est-ce que vous comprenez cela? Comment est-ce que Dieu a écrit ce testament-là? Est-ce qu'il a utilisé les papiers? Il a utilisé les tables de pierre? Ou qu'est-ce qu'il a utilisé pour écrire ce testament? Dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 3. Le cœur, c'est aussi une table. C'est-à-dire, Dieu devait écrire dans le cœur. Il fallait qu'il commence à écrire maintenant dans le cœur. Mais quand il écrivait dans le cœur, c'était pour préparer un testament. Mais tôt ou tard, qui devait être confirmé par la mort du testateur. Et quand est-ce que Dieu a commencé à écrire ce testament dans le cœur? Là, je suis dans le livre de Genèse, chapitre 4, le verset 26. Genèse 4, le verset 26. Lorsque Enoch est né, l'écriture dit noir sur blanc, c'est alors qu'on commença à invoquer et à adorer Dieu. Oh, l'adoration a commencé du temps de Noé. Adam a été chassé, mais Dieu devait écrire un testament. Mais selon cette écriture que nous venons de lire, le testament devait être commencé. Dieu a commencé à écrire le testament dans le temps de Noé, parce que l'adoration a commencé du temps de Noé. Et il a commencé à écrire dans le cœur. Il a commencé du temps de Noé. Commença par Noé. Suivez-moi très bien. La namalamo. 1. Enosh. Yayambo. Enoka. Il a commencé par Enosh. Abani Enoka. Mais si nous venons dans le livre de Genèse chapitre 5. Ce qui toque dans mon canal Genèse à mon capamitano. Je vais ici pour ne pas tomber. 2. Après Enosh, c'était Kenan. Dieu a écrit aussi dans le cœur de Kenan. Tout ça, c'était encore le testament. Hein? Parce que tous ces fils ici, c'était les anciens que Dieu avait mis à part pour écrire quelque chose dans leur cœur. Et après Kenan, il y a trois qui est Mahalalim. Dieu a écrit dans Mahalalim. Et après Mahalalim, quatre, Dieu a écrit dans Jéred. Suivez-moi très bien. La nana malam. A écrit dans Jéred. Tout ça, c'était le temps du testament. Parce que la mort du testateur n'a pas encore eu lieu. Tout dans tout ce temps-ci. Et après Jéred, 4, 5, Dieu viendra écrire dans Enoch.
Même si Enoch a prophétisé, oh, je vois le Seigneur qui vient avec ses saintes myriades. Tout ça, c'était Dieu qui écrivait toujours le Testament. Et après Enoch 6, c'est le mec. Dieu a écrit dans le mec. Ici nous sommes dans Genèse chapitre 5. Après le mec, cette Dieu va écrire dans Noé. Je pense que nous ne sommes pas trompés. Non, ici ce n'est pas le mec ici. C'est Métouchela. Vous voyez? En tout cas, il faut ouvrir l'œil. On efface comment ici? Non, je ne sais pas. Si ce Métouchela. Métouchela. C'est Métouchela. Et cette c'est le mec. Yamotoba. Yasambo, pardon, le Meka. 8, c'est Noé. Yamwambende Noa. Même si nous avons vu Noé fait un arche. Atatomoni Noa kosale burkusulu. Tout ça, c'était tout simplement Dieu qui écrivait le Testament. Awa nyoso naikanzambe kokoma mokanda. La mort du testateur n'a pas encore eu lieu dans tous ces temps-ci. Kufa yamokomi nenu emonisa makita. Mais Dieu a utilisé la table qui est le cœur. Voilà. Et après Noé, Dieu viendra choisir neuf. Il va choisir parmi les fils de Noé. Dieu va choisir Sem. Mais vous allez remarquer dans Genèse chapitre 10. Après Sem, le peuple est allé dans la plaine de Moab. C'est là où ils ont élevé la tour de Babel que nous connaissons très bien. La confusion est entrée là-bas. Même les papas les papas d'Abraham. C'était un idolâtre. Voilà pourquoi après Sem, directement 10, c'est Abraham. Et après Abraham 11, c'est Isaac. Tout ça, c'était le temps toujours du Testament. Dieu qui écrivait. Et après Isaac 12, c'est Jacob. Vous voyez, ils sont nombre de combien? Commençant par Enoch. Là, on a commencé à écrire le Testament. Ils sont nombre de 12, n'est-ce pas? Vous suivez très bien, ils sont au nombre de 12. Commençant par Enoch, Kenan, Mahalalel, Jered, Enoch, Metushela, Lemek, Noé, Sem, Abraham, Isaac, Jacob, ils sont au nombre de 12. Mais après tout ceci, il y a aussi d'autres qui s'ajoutent, les 12 patriarches, qui sont les 12 fils de Jacob. Et si vous prenez les 12 ici anciens, et les 12 fils de Jacob, ils forment 24. Est-ce que vous remarquez cela? Hein? Pour dire que dans ces 24 ici, Dieu était en train d'écrire un testament. C'est ça l'origine de 24 vieillards. Et en ce temps, Dieu écrivait le testament. Est-ce que vous comprenez cela? Il y a quelqu'un qui va me poser une question ici. Qui me dira, mais qu'est-ce que vous dites là-bas? Mais dans le livre d'Apocalypse chapitre 4 et Apocalypse chapitre 5. Mais le testateur c'est qui? C'est l'agneau. C'est l'agneau qui a ouvert le livre. Parce que quand il a ouvert le livre, vous allez remarquer
Le ciel va chanter. Les anges vont s'enchanter. Et aussi, la terre chantera. Pourquoi? Parce que l'agneau, tu es digne d'ouvrir les livres. Parce que tu as fait de nous un royaume. C'est-à-dire, c'est l'agneau qui vient donner l'héritage. Mais il vient donner l'héritage, mais par sa mort. En d'autres termes, remarquez bien, quand les 24 veillards étaient en train d'adorer parce qu'ils ont adoré deux fois. Là, je fais une interpellation. Mais quand ils ont adoré pour la première fois, ils adoraient un Dieu créateur. Là, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, ils n'adoraient pas l'agneau, ils adoraient le créateur. Parce que tu as créé ceci, tu as créé cela. C'est alors qu'ils adoraient. Mais quand ils adoraient, le livre était fermé. Balalibozo herba 24 verbes bazo adoré livre zalaki ya kokangama. Ezalaki ya kofungwa mate. Mais quand l'agneau a ouvert, ils ont adoré aussi pour la deuxième fois. Ça, c'est très très important. En d'autres termes, parlant de ces 24 veillards-là, là où Dieu écrivait le testament, ce sont des adorateurs. Mais l'adoration a commencé quand? L'adoration a commencé du temps de Noé. Mais ils ont eu le privilège d'adorer Dieu qui s'irrite en tout temps. Il doit se couvrir d'un arc-en-ciel. En d'autres termes, Atanzamba Silikaka. Mais oye, celle qui était Bangoba Poussana, c'était l'alliance. Voilà pourquoi Dieu a traité l'alliance avec tous ces gens-ci. C'est ce qui lui a fait que ces gens puissent s'approcher devant Dieu pour adorer. Mais quand ils adoraient, les livres étaient encore fermés. Apocalypse chapitre 5. Quand Jean regardait les livres, et on verra quand Jean pleurait parce que le livre était fermé, on va remarquer l'un des anciens qui va dire à Jean, ne pleure pas parce que le lion de la tribu de Juda a ouvert les livres. La lion de la tribu de Juda est digne d'ouvrir. Sikoyo yo ozwa Jean ola kisalisusu que Jean lisusu aza l'un des veillards. Mais il y a Jean, l'un des veillards, mais veillard moussous de moutazo koye bisaye. Ça n'a pas de sens. Vous voyez? Alors, tout ce temps ici, premièrement, qu'ils adoraient, les livres étaient fermés. Je voudrais ajouter quelque chose pour revenir dans la pensée des testaments. Si vous remarquez même la constitution de ces 24 veillards-là, premièrement, il y a un grand trône. Mais tout autour, il y a des petits trônes. Mais trône na Israël, trône roi. En d'autres termes, ces 24 veillards, mais pembeni il y a un grand trône. Ces 24 veillards, ce sont des princes. Mais bazaka ba simple prince, ce sont des princes adorateurs. Voilà pourquoi dans le livre de Genèse, chapitre 23, le verset 6, lorsque Sarah était morte, Abraham voulait enterrer sa femme. Mais remarquez la parole des gens des pays. Ils diront que toi tu es un prince de l'éternel. En d'autres termes, tu as un petit trône. Quand vous voyez le trône, c'est Dieu qui parle par les signes. Mais ces gens l'ont dit ouvertement. Tu es un prince de l'éternel. C'est-à-dire là où l'éternel a un grand trône, toi on t'a donné le petit trône. Par là nous comprenons, Abraham fait partie des
24 anciens. Mais tout ce temps ici, et ils adoraient, les livres étaient fermés parce qu'ils attendaient Abanda qui causait là le testataire qui devait mourir, c'est-à-dire la mort de l'agneau. Testataire, on est signé là à coup faisant des moines en empathie pour être à côté de sa bateau n'a qu'un héritage. Mais la tana bango, Nzambenda banda au commandant n'a mité manabango, azo commandant n'a pas lettre de. Azokoma nakati na mabangate mazokoma nakati na mitema na bango un testament. Mais natango azokoma nakati testament nakati na bango tous leurs yeux étaient braqués vers le testateur. Et ce testateur là, c'était la mort qui devait venir. Et sengale mwana mpate akoyaka. Et mwana na mpate o sengela kia ya oyo babanda ko zele sengela kia fungola, c'était lui le testateur. Yende mokombi na mokanda. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà un peu, premièrement, ce que nous disons par rapport au testament. C'est-à-dire, Adam était chassé, mais Adam n'était pas n'importe qui. Adam azala ki moto nyonso te. Adam fils de Dieu. Adama mwana ya mobali ya Nzambe. Et dans sa portion du fils de Dieu, na eteni ya mwana mobali ya Nzambe, il avait droit à l'héritage. Azala ki na ndingisa na libula. Mais avant qu'Abraham et Adam entre dans son héritage, yambo Adam akote na libula, il fallait que Dieu commence à écrire un testament. Et sengela ki na Nzambe banda kokoma mokanda. Et il a commencé à écrire le testament du temps de Noé parce que c'est en ce temps ici qu'on a commencé à adorer. Abanda kokoma mokanda na tangwe Noé ne na tangwana konguma mele bandaki. Jusqu'au temps de 12, il écrivait toujours le testament. Na tangwe ya somi na mibale azale ka kokoma. Ce temps ici, c'était le temps du testament. Mais pour entrer en possession, parce que tous attendaient une cité qui a le solide fondement. Et hier, nous avons essayé de toucher sur cette cité-là. Nous avons compris que Adam, lui aussi comme une maison, c'était une maison qui était tirée de la poussière. C'est-à-dire quand Dieu formait Adam, c'était un signe prophétique. Dieu savait que cette maison a pour base la poussière, la terre. Quand le vent va passer, cette maison va s'écrouler. Dieu le savait bien. En prenant la poussière, la terre pour former Adam. Et voilà pourquoi lorsque le vent qui était le serpent était passé, la maison était écroulée. Voilà pourquoi après la chute d'Adam, que ce soit tous ceux qui étaient venus, ils attendaient une maison qui a le solide fondement. Ils attendaient cet héritage. Mais cet héritage là n'est que possible par la mort du testateur. C'est-à-dire pour nous recouvrir un héritage wana, il faut premièrement mort ya testataire et zala constater. Ce qui meurt mort ya testataire et zala constater te recouvre pété. Voilà pourquoi même Abraham na tangwaya ki misule zala qui toujours fixé quelque part. Parce qu'il attendait une cité qui a les solides fondements. Maintenant, je rentre par rapport à la création. Avant de chuter à Abraham. La création, c'était aussi l'héritage que Dieu a donné à Adam. Et cet héritage avait deux portions. Là, je suis dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset toujours premier. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Quand on dit créa, c'est un verbe.
Le nom qui sort là, c'est la création. Pour dire tout simplement, la création, l'héritage qu'on a donné à Adam, c'était un héritage qui avait deux portions. La portion céleste et la portion terrestre. Mon pasteur Emmanuel, hier aussi, il avait touché ces deux choses-là. Mais d'une manière, d'une autre manière. Vous voyez, c'est ça l'héritage qu'on avait promis, qu'on avait donné à Adam. On devait lui donner le ciel et on devait aussi lui donner la terre. C'était ces deux portions-là. Oh, c'est comme dans le livre des Cantiques des Cantiques. Chapitre 4, le verset 1er jusqu'au 2e verset. Là, on remarque une brebis qui se dirige vers l'eau. Mais en se dirigeant vers l'eau, là je vais t'exhorter sur quelque chose. En se dirigeant vers l'eau, en d'autres termes, en remontant de l'eau, on remarque la brebis qui avait les vêtements, c'est-à-dire qui avait les poils. La brebis est tondue par l'eau. Et en remontant aussi de l'eau, la brebis qui était stérile remonte avec deux portions, c'est-à-dire avec les jumeaux. C'est ça les deux portions qu'on avait données à Adam. Mais ici, on donne les deux portions à la brebis. Comprenez que dans les Écritures, c'est vrai que la brebis représente plusieurs aspects. Mais la brebis, c'est aussi la femme. Allusion est faite à la femme d'Iri. Le langage du prophète Nathan. C'est-à-dire cette brebis c'est aussi une femme. Mais je vois cette femme où? Je vois cette femme dans le livre de Jean chapitre 4. Il y a aussi une femme qui s'est dirigée vers l'eau. C'est la femme samaritaine, n'est-ce pas? Mais là, il a trouvé la véritable source. Qui était le Seigneur Jésus-Christ. Mais moi, je suis là. Mais en remontant de l'eau, moi c'est à Lamba Yakalate. En d'autres termes, okay. Si quelqu'un vient en Christ, il devient une nouvelle créature. Et Lamba no Yakala, il faut l'ongo. Ma manière nous sommes tous au bela awa. Nakati na conférence awoyo, mais il faut comprendre que bozoya nakati na mai. Natang bozoya nakati na mai, il y a un objectif qui est visé. Amen. Voilà un peu. Mon amoké. Mais à part ça, na kolongo la boye, je vois aussi une autre brebis quelque part. Na somo la pe mpate moko bisika moko. Dans le livre de Genèse, chapitre 24. Na mokana Genèse mokapona tukumi bale na mine. Là, il s'agit de Rebecca. Wane zalinde de commencer Rebecca. Rebecca s'est dirigée vers l'eau. Rebecca zaro kende na mai. Mais en remontant de cette source-là, na kobutwaka na kati na bitima wana, Rebecca est remontée avec deux portions. Et Rebecca butwaki na bitele mibale. Les deux portions, c'est Isaac. Parce qu'en Isaac, il y a deux portions, n'est-ce pas? Na Isaac, ça, oh, quand Abraham regardait, quand on lui parlait au sujet d'Isaac, il va voir les étoiles, il verra aussi les sables. Pour dire qu'en Isaac, il y a deux portions. Il y a le ciel et il y a la terre. Et quand Rebecca montait de l'eau, elle remonte avec Isaac qui est deux portions. Est-ce que tu comprends cela? C'est pourquoi aussi on va donner aussi l'héritage à Adam.
Mais cet héritage, c'était la création qui avait deux portions. Et on va monter dans la création, est-ce qu'il y avait la mort du testateur? Pour que Adam puisse posséder son héritage. Et lorsque Rebecca remontait, Rebecca remontait avec Isaac deux portions. Rebecca zobutwa na Isaac na bitele mibale. Remarquez, si nous venons vers l'eau, vraiment nous devons remonter aussi avec deux portions. Seigneur, nous avons tout quitté. Qu'est-ce que nous allons recevoir? Dans les siècles à venir, la vie éternelle. Mais aujourd'hui, il doit venir à notre secours. Est-ce que tu comprends ça? C'est ça les deux portions. C'est ça l'objectif aussi de cette conférence. Dieu vous donne la vie éternelle. Et on a donné cet héritage-là à Adam. Le ciel et la terre. C'est ça la création. Est-ce qu'il y avait la mort du testateur? Tolobie te nzambe na tango azoloba na création nzamba zalaki baba. Voilà, ceux qui moutaient à maîtriser la création, l'été la création, bien c'est un bon prédicateur. L'été à la création. Et ça n'a pas comme bébé. Pour l'information, il y a ma kambu moussous Moïse à l'obaga na création, parfois le troisième jour. Moïse a l'obiga ganini. Moïse a l'obiga le troisième jour. Kenzamba bimisi mabele na mayo. Et puis, Kenzamba bimisi mabele de venu. Et un bilo moussous Moïse a commenté, mais ma prophète moussous ma compléta yango. Pour dire, si tu maîtrises la création, Nzamba sali yongolo. Création kuna doctrine ezali. Prophétie ezali. Connaissance ezali. Révélation ezali. Amen. Mais en tant que nzambe sikoyo azolo banakati na création azolo bané par des signes, par des signes. Voilà pourquoi petit ministère pour être ministère et expliquer langage en colo. C'est comme nous autant un livre Apocalypse. Babutali sur tes quatre anges suspendus sur l'Euphrate. Nzambe nda lobi par des signes. Nous autant un livre Ézéchiel batali sur ba chevaux. C'est Dieu qui parle par des signes. Et là il faut intervention au ministère pour expliquer Nzambe wazalakaba balobara par des signes. Voilà un peu. Maintenant nous disons ceci. Ça c'est épitolobiboy. Adam devait posséder la terre. Adam esengala ki azomabele. Le sixième jour. C'est-à-dire qu'il devait entrer dans son héritage. Esengala kota na libula naye. Mais selon l'écriture que nous avons lu, dans le livre des Hébreux chapitre 9, il fallait d'abord que la mort du testateur soit constatée. Il fallait d'abord que la mort du testateur soit constatée. Est-ce que dans la création, la mort du testateur a été constatée? Pour que le sixième jour, Adam entre en possession de son héritage. Oui, la mort du testateur a été constatée. Toujours dans cette création-là. Dans Genèse chapitre 1er. Mais comment cette mort a été constatée? Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 16. Je prends le verset 1er jusqu'au 4e verset. Il s'agit de Jonas. Jonas. Jonas amibwaki na kati na mai. Il fallait Jonas bazoyer akota na kati na mai. Maintenant mouvement wana Jonas azokota na kati na mai et banda kolobela sur liwa ya Yesu Christ, n'est-ce pas? Oui. Ça parle de la mort de Jésus Christ, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Parce que quand on regardait Jésus Christ, toujours dans les livres de Matthieu chapitre 16, le verset 14. Non, ces gens disent que toi tu es Jérémie, toi tu es Esaïe, ou tu es l'un des prophètes. C'est-à-dire l'un des prophètes, il était aussi Jonas. Et comme Jonas a été jeté dans l'eau, Jésus-Christ aussi. Et cela parlait de la mort de Jésus-Christ. Mais dans la création, ils appellent l'eau comme au côté de la mer. Pour dire que Jonas était Moutaliboso ou à côté de la mer.
Jonas a répété qui mutumoko pe akota na mai. Muto akota na mai na création, na tangu nzamba lobaki ke la lumière soit. Lumière wane kenda kokota na mai. Voilà ici quand Jonas a outa. C'était la lumière du premier jour. Et par là nous comprenons, na tangu lumière kota ki na kati na mai, ça parlait aussi de la mort du testateur. OK. C'était la mort du testateur comme Jonas au baboka mena mai et zotali saliwa ya Jésus Christ. Mais lumière wana oye koti na maye ke papa troisième jour ou quatrième jour na tango tokomi oleto mona lumière na kati na maye lumière komi likolo. Ça c'était le quatrième jour. Or lumière oye zo koma likolo, c'était l'ascension de Jésus-Christ. Obutwa Jésus Christ na l'ascension de Jésus-Christ ye wana komi likolo. OK. Mais il fallait d'abord trois jours li wana ye pelisi ko na ye. Enfin que le sixième jour Adam sala nini akota na kati na héritage. Pour dire, pour entrer dans l'héritage, il faut premièrement que la mort du testateur soit manifestée. Parlant de tous, comprendre, Boye. Ma promesse, ata oyo batuba mona ki yango difficile. Ata ma promesse, oyo ezalaka compliqué. Mais tant que la mort du testateur est constatée, promesse ezalaka lisusu compliquée. Amen. Nous sommes difficile et pas à bateau et comme à péter. Par quoi? Par la mort du testateur. Je suis maintenant chez Abraham. Abraham aussi, quand Dieu parlait avec Abraham, dans le livre de Genèse chapitre 12, Abraham sort de ton pays, sort de ta patrie, je te donnerai un pays. Et Abraham avait la foi, il est sorti. Parce qu'il faut que vous allez dire, Amen. Et Abraham est sorti avec la foi. Abraham a bimina kondima. Mais Dieu était avec lui. Nathan Munzam Biaza et Longo Nayo a planifié ma camionnose. C'est ce que tu dois croire. Et Adam, Abraham est sorti. Abraham a bimi. Dieu commençait à donner les promesses à Abraham. Mais étranger, Bazano Nakati Namboka, ça c'est quelle folie. Batu ya mboka wana bazano na mboka menza mazolo bomoni mboka na pesi wazo pesa mezie. Wano kena livre ya Genèse chapitre 15. Ebandi awa, eye awa, eke ti kote ya fleuve Euphrate. Eke boye, eke boye, eke boye. Dieu donné la mesure à Abraham. Nyonso wana nzamba zo sala, il écrivait un testament. Mais tout ce temps-là, Dieu écrivait un testament. Abraham était comme un étranger dans le pays. Hein? Abraham mazalaki nanu lokola mopaya, mais nakati na mboka na ye. Pourquoi? Parce qu'il attendait la mort du testateur. Mais quand Dieu parlait avec Abraham, c'était le testament que Dieu écrivait le testament à Abraham. Mais comment est-ce que la mort du testateur a été constatée? Abraham est allé en Égypte. Par Israël, bien sûr. Abraham a quitté l'Égypte. Mais attends, Abraham a quitté l'Égypte. Nzamba lobino, siko yongai, fona koki sa promesse nangai. La mort du testateur doit être constatée. Okay. En fait que peuple akota nakati, Abraham akota nakati, na promesse naye. Amen. Et la mort du testateur a été constatée comment? C'est dans le livre d'Exode chapitre 12. C'est-à-dire la mort du testateur là devait rendre palpable le testament. C'est-à-dire toutes les paroles que Dieu avait données à Abraham. Je te ferai entrer dans le pays. Je ferai ceci. Je ferai ceci. Tout ça, c'était le testament. Mais il fallait d'abord, dans Exode chapitre 12, c'était le testateur. Moi, je comprends que cet agneau qui était mort. Dans Exode chapitre 12, c'est celui-là qui parlait avec Abraham. Est-ce que tu comprends? Amen. Pourquoi peut-être Abraham a possédé promesse? Mais dans la tango, Abraham, Abraham, la zala qui a l'étranger, na kati na bilaka na yo.
Je suis dans le livre d'Exode chapitre 20. Le premier commandement. Dieu dit ceci. Moi, l'Éternel, je serai ton Dieu. Ngai Yahweh, na kozala nzambe na yo. Soko yobotuna ye mutuna yo kozala nzambe na biso pona nini? À répondre boye, parce que c'est moi qui vous ai sorti du pays d'Égypte. Poete ngana na bimisa ki bino na mboka na Egypte. Ah, je comprends quelque chose. Ah, na sosole loko moko. Soki Yesu Kristo azala ka nzambe na biso, comprendre parce que sala quelque chose pona biso. Yo Yesu soko sala ke loko pona biso to kozala pe nzambe na biso te. Amen. C'est parce qu'il a fait quelque chose de grand pour nous. L'œuvre de la croix. Voilà pourquoi comment Nzambe na biso. Amen. C'est pourquoi Dieu dira, moi je serai votre Dieu. Pourquoi? Parce que c'est moi qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Soyons sérieux, est-ce que yende mutabimisa bango en Égypte? Mutabimisa bango en Égypte, zalaki ne patete. Nani mutabimisa bango patete. Directement. En parlant, nous comprenons, cet agneau-là, c'était Dieu lui-même. Pâté ou ya koufa, zala ki nzambe. Mais nzambe, si koyo a se dépouillé pour accomplir Philippiens chapitre 2, chapitre 2. Ye ou ya zala ki nzambe, et sengela ki a son forme ya homme. Pas n'importe quel homme. Un homme simple, c'est l'agneau. Il a pris la forme de l'agneau. Enfin, Yakoufa, Abimé Sabiso. Ah, par là, nous comprenons, c'est Dieu qui parlait avec Abraham. C'est Dieu-là qui est devenu agneau. Parce qu'en parlant avec Abraham, il écrivait un testament. Mais il est devenu agneau pour mourir comme le testateur. Enfin, que le testament soit valable. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, par la mort de l'agneau, Israël a continué à faire la promesse. Israël a continué à faire. C'était par la mort de l'agneau. Et la mort de l'agneau, c'est la mort du testateur. Si on a tongo ya leloyo, il faut que la promesse ya nkolo e longwa na kati na ba papier ototangi ya wa. Ezo nzoto na kati na yo. Amen. Ngo za sou na ba papier te. Maintenant, nini oezo rassuré yo que promesse oeza na kati na papier ezo nzoto. Nini oeko kiko rassuré yo. Oezo rassuré yo premièrement quand tu vois la mort du testateur. Et ce que moni mort ya testateur, ko banga no li susute. Ata ou ya ki a malade, ya une promesse qui dit par ce maîtrisir nous sommes guéris. Ata ou ya ki a na ba problème bele ya ndenge na ndenge. C'est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. En d'autres termes, ma promesse wana nyonso, il y a ma guérison. Ma promesse wana nyonso, il y a ma ouverture, il y a ma kambo. Il faut longwa na papier et zonzoto na kati na yo. Amen. Mais le coup la mort ya testateur ezalaki constater, comprendre que na tongo ya leloyo, eloko moko te ko résister na promesse. Ta di promesse il faut zonzoto. Voilà pourquoi le sambo na ngai que na tongo ya leloyo, makambo nyonso ezalaki difficile na kati na vie na yo. Le coup la déjà Nzamba koma yango na kati na testament. Mais le coup là déjà la mort du testateur a été constaté. Et zonzoto na kati na yo na kombo na Yesu Christ. Togote le mato sambela, na sambela pour na yo. Na koyemba nzembo moko. Togoyemba nzembo moko. Après na kosambela pour na yo. Na lo sambo na kosala nzamba kosunga yo. Soki makambo kangamaki eko fungoma. Ce qui va problème est là qui aux autres solutions la combo na Yesu Christ. Nzembo wana za boye. Oh sentinelle. Senje la nambo moinangayo. Oh sentinelle.
Ô sentinelle, Senje la nambo moinangayo. Ô sentinelle, Senje la nambo moinangayo. Ô sentinelle. Ô chandelier, Zengi sakabo moinangayo. Ô chandelier. Gengi sakabo moinangayo. Ô chandelier. Ô mopanga. Ô mopanga. Ô mopanga. Ô mopanga. Unde langa bitumba nyoso. Ô mopanga. Unde langa bitumba nyoso. Ô mopanga. Sambela nzamba. Nzamba ngingisa yo. Soki ezalaki na misika. Ô ma kambo koma ki lokola mwindo. Ondire ozomona lisusu nzela te. Nimisamaki nzambe nde Yesu Kristo mpole na yo. Oyo akoki kokengisa yo mpe apesa solution na makambo nyonso. Nimisamaki car la mort du testateur est constaté. Promesse moko te lisusu eza difficile na kati na yo. C'est le temps d'entrer dans l'héritage. Voilà pourquoi, à cause de la mort de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, que le Seigneur a rendre la promesse au Ezan à papier, mais on doit la carte de Bobo Inoyo, bon de la commune à Jésus-Christ. Thank you.
kosambe la pomme. Kolo Yesu Kristo. Na pesi libota na maboko na yo. Semblable à la brebis qui est descendue vers l'eau. Avec un objectif. Si la parole ne vient pas avec un objectif, c'est-à-dire Dieu devient un insensé. Dieu a envoyé aussi ces deux orateurs aujourd'hui pour un objectif, Seigneur. La prière semblable au torrent du sanctuaire. Parole manifeste son objectif ce matin parmi ton peuple. Là où il y avait la lèpre, le péché, tu es capable de sanctifier, de purifier, de fortifier, de donner la force. Là où il y a la maladie, tu es le véritable médecin. Tu es chargé de nos maladies et par tes maîtrises nous sommes guéris. Par la parole, tu as amené à l'existence ce qui n'existait, qui n'existait pas. La création physique était invisible, mais tu l'as ramené à l'existence par ta parole. Je crois qu'au moyen de la parole, tu peux créer quelque chose dans la vie d'une personne. Je crois qu'au moyen de la parole, tu peux amener à l'existence, mais ce qui n'existait pas. Voilà pourquoi là où il y a la maladie, quelle que soit la maladie, Seigneur, quel que soit le nom, le sida, le cancer, n'importe quelle maladie, je proclame la guérison dans les frères, la guérison chez les frères, la guérison chez la sœur. Au nom de Jésus-Christ, n'importe quel problème. Toi, tu connais ces problèmes, Seigneur. Peu importe que moi, je les connaisse. Mais toi, tu connais. N'importe quel problème. Problème financier. Problème de travail. Problème matériel. Problème dans les ministères. N'importe quel problème. Blocage. Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui est devenu difficile, rends-le facile dans la vie de chacun. Au nom de Jésus-Christ, glorifie ton nom ce matin. Donne gloire à ton nom ce matin. Tout pour ta gloire. Au nom de Jésus que je viens de prier ici. Amen. Équilibrez la manne ramassée dans le désert des sortes que chacun a nommé. Chacun a nommé. Chacun a nommé. Chacun a nommé.